sciatique. C'est pour ça que vous ne voyez pas trop bouger. Je bouge, mais j'ai mal en fait. Bonjour mes chouchous, bidou, bidou, chouchou, bibi, doudou. Alors aujourd'hui, Three. one, two, three. Alors, troisième jour. Donc, mais qu'est-ce qu'il y a dans mes calendriers d'avant? Tout d'abord, je vais vous montrer, bon, je vais vous montrer tout de suite, comme ce sera fait. Alors, bien sûr, celui-là. Numéro 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Ah, nous allons avoir un cours, là. Ah, attendez, parce qu'il est là, c'est quoi? Il est là, il est entre les deux. Ah, c'est celui-là. Bah écoutez, hein. Une petite pince. Une petite pince, bah voilà, ça va servir à ça. C'est une toute petite pince, mais elle n'est pas à moi, merde. Elle est pour vous. Elle est pour vous. Voilà. Et puis là, dans le spa, le numéro 3, vous avez mon sapin, il est dans le salon. Aïe. Qu'est-ce que vous avez? On dirait du sel. Hein. Oui, des perles de bain. Donc vous avez ceci et ceci. Et je vais rajouter un petit cadeau. Par contre, moi, ben, ça dépend, en fait. Ça dépend si j'utilise ou pas. Le numéro 3. Waouh, c'est une grosse boîte. Waouh. Miroir argenté. Ben, il est très beau. Ben, il est pour vous. Donc voilà. Je vous dis, je ne mettrai pas tous les cadeaux de Mariono. Voilà, ça, en fait, j'ai 3 paquets à envoyer. Donc, il va falloir que j'envoie les 3 paquets. Après, ben, j'ai mon colis de Noël à faire. Je le ferai. J'ai perdu des abonnés, hein, mais c'est normal. Je trouve que c'est tout à fait logique dans la mesure où, effectivement, j'étais au-delà de ma chaîne. Je me suis servi un petit peu parce que j'ai fait un coup de gueule sur autre chose que la beauté. Et puis, voilà. C'est logique. Hein. Mais bon, moi, je suis quelqu'un qui rigole tout le temps. On a ouvert les calendars. Alors, calendar event. Je suis allée à H&M. Non, je suis allée à Gap et j'ai trouvé, mais franchement, une tuerie. J'ai trouvé une écharpe au lieu de 24 euros. Elle était à 50%, je l'ai eue à 12 euros. Mais c'est du bonheur, mais je le jure, elle est douce comme tout. J'adore, 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 j'adore. Je suis allée à H&M. Je me suis acheté des petites chaussures 12 euros couleur moutarde pour aller avec mon pull. Voyez, regardez. Franchement, elles sont trop mignonnes. C'est du 37, parce que je fais du 37. 12 euros. Bah, et en plus, j'avais un pourcentage, je crois. J'avais 10%, je ne sais plus combien. Voilà. Franchement, c'est pratique. Moi, tous les jours, pour aller travailler, pour moi, c'est pratique. J'ai beaucoup d'ensemble. J'ai un joli pull moutarde. J'ai un autre pull comme ça. J'ai un pantalon moutarde. Donc, je me dis, ben voilà, ça fera l'affaire pour 12 euros. Ça fera l'affaire. Des culottes. Ces culottes, des culottes en coton, parce que moi j'en ai marre de transpirer et j'en ai marre de c'est pas bon. Il faut, en fait, malheureusement, il faut que des culottes en coton parce que c'est très hygiénique. Sinon, le reste, c'est loin d'être hygiénique, du nylon, du machin. Moi, j'ai déjà pris et j'espère que je vais les supporter parce qu'en général, ma peau est tellement fragile, je supporte pas la dentelle. Et je les ai payées 10 euros, je crois, 9,99. Mais j'ai eu un pourcentage, il y avait 30% dans le magasin. Moi, j'ai eu 30% sur tout, en fait. Et j'ai pris des chaussettes, parce que je ne sais pas, vous, ce que vous faites avec les chaussettes. Mais alors, moi. Alors, j'ai eu une, deux, trois, quatre, cinq paires pour 7,99. Elles n'étaient pas chères du tout. Moi, les 30%. Alors, il faut savoir que moi, les chaussettes, c'est une cata. Je ne sais pas ce que je fais avec mes chaussettes. Dites-moi en commentaire, vous, si vos chaussettes disparaissent. Moi, je comprends rien. J'achète plein de chaussettes. Elles disparaissent tout le temps. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je fais de mes chaussettes. Voyez, franchement, elles sont bien, quoi. Avec un peu de dentelle, là, elles sont sympas, là. Parce que... Voilà, donc j'ai acheté ça à H&M. J'ai acheté un petit haut parce qu'il y avait 50%, je l'ai eu pour 8 euros. Un petit haut chez Gap.
C'est pour mettre en dessous mes vêtements. Voilà, il est un peu grand, mais bon, c'est pas grave. J'ai pris un petit peu grand. Voilà, ça c'est pratique pour mettre en dessous une robe, en dessous des choses. Ah oui, et là, au dernier moment, j'ai trouvé ça génial. Bien sûr, 50%, je les ai eus à 7 euros. Et regardez, en hiver, franchement, ils les font encore à 14 euros, hein, vous les avez. Non mais regardez, on a tout le temps froid. Non mais regardez ça. Franchement, c'est pas top, là il y a la bague. Hein. Mais regardez. Grand comme ça, moi j'adore, franchement. Oh, le Père Noël. J'ai même pas fait attention. Pour mon fils, j'ai acheté. Bon, en attendant déjà un cadeau. Hein. Il y avait 50%. Il était à 44 euros. Je l'ai eu à 20 euros. Il était à 40 euros. Je crois que je l'ai eu à 20 euros. Regardez comme il est joli. Enfin, après, c'est une affaire de goût. Hein. Mais c'est du Gap, quoi. C'est de la qualité. Bon. Parce que j'ai quand même acheté. J'avais acheté. J'ai tellement de vidéos à vous montrer. Regardez, je vais vous montrer un truc. Ah, mais c'est Ivy qui s'y met dessus. Hein. C'est Ivy qui s'y colle. Ceci est un tapis de bain. Je vous jure, c'est vraiment le top du top, le tapis de bain. On met ses pieds mouillés dessus, ils sont tout de suite secs. Et en plus, c'est très très hygiénique. Attendez, elle va dessus. Ma fille, elle est assez gâtée comme ça. Et malgré tout, bah, elle adore et elle va dessus. J'ai acheté aussi un arbre à chat qu'il faut que je monte, mais c'est très compliqué. Il est magnifique, j'ai payé 100 euros, 2, 4, 6, 8, j'ai payé 80 euros. Mais il est magnifique, je vous le montrerai quand il sera monté. Mais vous savez que moi, à la maison, c'est voilà, pour l'instant, je m'installe, c'est un peu le bordel, faut que je mette du lino sur, dans la salle à manger. Bon, il y a plein de choses que je dois faire que je n'ai pas encore fait. Et puis, je vais aller dans le magasin. Rue Rambuteau, tout ce que je peux vous dire. C'est une chaîne suédoise. Ça s'appelle Kingly Gingler, un truc comme ça, je ne pourrais pas vous dire, je m'en rappelle plus. J'ai acheté le petit sac à 1 euro. J'ai vu les pompiers. Et moi, ben voilà, j'ai acheté le calendrier des pompiers. Voilà. J'ai acheté leur calendrier, je l'achète tous les ans, je leur ai donné 5 euros, des fois je donne 10, là j'avais 5, mais en aucun cas je donnerai moins. Ils sont tellement adorables avec le peuple. Alors, et ceci, je l'ai payé 1 euro pour faire ma cuisine. Alors, ah, ça a disparu, je ne sais pas pourquoi. Non, après. Ceci, attendez, ça doit être ma fille qui fait des bêtises. Et oh là, mon mamie, je vous ai perdu. Mais alors là, bel et bien perdu. Voilà. Attendez, voilà. Et donc, ceci, j'ai payé 2 euros. Mais en fait, j'ai vu qu'il y en avait à Action. Et en fait, c'est pour. Vous savez, nous, Noël, on est en famille. Et là, on n'est pas beaucoup. Parce que moi, voilà, j'ai un frère qui est grand. Ma mère aussi, normal. On n'est que quatre. Mais c'est pas grave avec mon fils. Et donc, du coup, j'ai décidé. En fait, c'est une petite. Il faut faire une pyramide. Et après, il faut faire tomber jusqu'à temps que ça tourne. Donc ça, j'ai payé 2 euros, c'est suédois. C'est un petit jeu, tout simplement. Voilà, une petite pyramide. En fait, parce que je vais faire un carton avec plein de cadeaux. J'ai acheté ceci, c'est une tirelire. Je l'ai payé 2 euros, c'est une tirelire magique. En fait, vous mettez les sous dedans, mais on ne les voit pas. 2 euros. J'ai acheté un mini fouet, je l'ai payé 1 euro ou 2 euros, je ne sais plus, peut-être 2 euros. Un mini fouet, franchement. Ça équivaut à Action. Franchement, c'est vrai, hein, je vous assure. Hein. Même peut-être moins cher. Ça, j'ai payé 1 euro. Ce qui est passage, je lui pince le nez. Attention, le Père Noël va arriver. Voilà, c'est pas grave. J'ai acheté ceci. Ce petit truc-là, qui est trop mignon, un petit stylo avec un petit ange à l'intérieur et une petite boule à neige de paillettes. Voilà. J'ai acheté ceci, c'est pour faire un cadeau. C'est pour mettre dans mon cadeau de Noël. Ce sont des chaussures, c'est pour un portable, pour poser un portable dessus. Paire de ciseaux de cuisine, parce qu'on en a toujours besoin et franchement, je suis bien contente. Voilà. Donc, j'aimerais bien que ce soit un casse-noix. Parce que on m'a donné des noix et le problème c'est que j'ai pas de casse-noix. Et regardez le clou du spectacle, le number one du number one. Vous êtes prêts?
Normal, hein? Alors, hop. Alors, attendez. Non, mais regardez ça, vous avez déjà vu ça? Un cadeau. Regardez, un cadeau. C'est trop mignon, hein? Regardez. Quand je vais vous dire le prix, vous allez halluciner. Mais je vous dis que vous allez halluciner. Non, mais regardez ça. Un sapin de Noël. C'est déguisé en sapin de Noël. 1 euro. En ce moment, je fais des petites affaires. 1 euro, 1 euro. Et puis, vous avez vu, de ces images que je vous ai mis pour avoir ma vidéo précédente. Voilà. Voilà, ben, en fait, tous les petits achats que j'ai achetés. Les achats que j'ai achetés, ben oui, on ne les a pas donnés. Hein. Voilà mes choubidous. Sur ce, on clôture le vlog Mass 3. 1, 2, 3. Et je vous souhaite une très 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 bonne journée. Comment vous dire, une bonne soirée. Par contre, je vais commencer à décorer, je vous montrerai, je vais commencer à décorer mon sapin, je vais commencer à décorer ma chambre. J'ai énormément de boules à neige parce que c'est ma passion, mais ça je vous montrerai, c'est dans mon salon. Et j'ai oublié encore un truc, j'en ai encore plein, hein. J'ai plein de hauts d'action, j'en ai 3. C'est énorme ce que j'ai. Et j'ai acheté ceci, alors malheureusement il n'y a plus les anciens. Du coup, je l'ai eu à 2,50, vous voyez. Franchement, ça valait le coup. C'est herbe fraîche. C'est pas le... Moi, c'était lagon. Le bleu, il était lagon. Mais bon, voilà. Et j'ai dû avoir un échantillon. Même pas. Non, j'ai même pas eu d'échantillon. Un échantillon pour homme. Voilà. Eh bien, sur ce, I love you. Et je me dis, ça craque. Je vous assure, ça craque, ça m'énerve. Mais bon, c'est comme ça. Il faut pas vieillir, hein. Mais bon, je vais pas me plaindre, je m'en fous. Alors, sur ce, I love you, ich liebe dich, te quiero, ti amo, je vous aime. À très bientôt, à demain, pour un nouveau vlog. Bye bye, ciao!